voir ce matin le combat de la foi pour conquérir donc ton année. L'année est devant nous, placée par Dieu. Dieu nous dit, je te le donne. Et Dieu dit, conquiers-le. Et si nous comprenons les principes de Dieu, la méthodologie de Dieu, cela va nous aider à aller de l'avant, cela va nous aider à progresser. Le combat de la foi pour conquérir mon année. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que, frères et sœurs, il y a des choses que nous devons comprendre. À chaque bénédiction correspond un fardeau. Je voudrais que vous compreniez cela. La bénédiction, mon frère et ma sœur, a un poids, un contrepoids qu'on appelle un fardeau. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de gens, nous voulons les bénédictions et nous ne voulons pas les contrepoids, le fardeau de la bénédiction. Quelqu'un dit, je vais être riche. Dieu dit, si c'est ta bénédiction, c'est ça qui est ta bénédiction, je vais t'enrichir. Et dès qu'il est riche, il perd sa paix. Il perd sa sûreté et il commence à avoir des problèmes. Parce qu'il ne sait pas que chaque bénédiction a un fardeau. Et si tu ne sais pas gérer le fardeau de la bénédiction, la bénédiction devient un poids tellement que tu es essoufflé et tu es frustré. Voici une femme qui n'a pas d'enfant. Elle veut la bénédiction d'enfant. Et brusquement, Dieu lui donne 3 enfants. Il y a des jours, elle a envie de dire si les enfants là, pouvaient partir. Parce qu'elle ne sait pas qu'à chaque bénédiction, il y a un fardeau de la bénédiction. Certains veulent être ministre ou directeur général. Dès qu'on les nomme, les soucis et les cheveux blancs commencent. C'est ça qu'on appelle les fardeaux de la bénédiction. Cette jeune fille-là pense que le jour que je vais me marier, ça sera la joie. Oui, dès qu'elle s'est mariée, mon frère, ma soeur, les fardeaux du mariage commencent. Et ça, si tu ne sais pas gérer les fardeaux de la bénédiction devient presque comme une malédiction pour toi. Ah oui, il y a plein de gens qui ont des bénédictions matérielles. Ils ne sont pas heureux. Ils ne savent pas comment gérer ça. Parce que chaque bénédiction a des choses. Donc, un contrepoids qu'on appelle un fardeau. Parce qu'il y a un pasteur qui était bien avec une église de 200 personnes. Il est en train de prier, Seigneur, augmente. Il part de 200 à 1000. Avec 200 personnes, il avait 200 fardeaux. Avec 1000 personnes, il a 1000 fardeau. Les gens ne comprennent pas cela. Maintenant, il ne comprend pas. Il dit, mais Dieu dit, à chaque bénédiction, il y a un fardeau. Mais ce fardeau-là, si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas qui porte les fardeaux, c'est celui qui t'a donné la bénédiction là, c'est la même personne qui porte les fardeaux. Ah, si tu veux être heureux, le donneur de bénédiction va lui donner ta bénédiction et dis-lui, porte les fardeaux de la bénédiction. En ce moment-là, tu seras déchargé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés par les fardeaux de la bénédiction. Et en ce moment-là, je vais te donner, je vais prendre ça sur toi et tu seras dans la joie, dans la joie, dans la joie. Si vous ne comprenez pas ces choses, alors parfois, quand on attend la bénédiction que Dieu a promise, on est passionné. Quand elle vient, mon frère, ma soeur, au bout de quelques mois, je pose la question. C'est pourquoi des gens se marient. Après, ils disent, Seigneur, tu es reparti. Elle ne partira pas. C'est ta bénédiction. Maintenant, prends-la, prends-le. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Prends, donne à Dieu. Dieu est un gestionnaire de fardeau. C'est pourquoi Pierre a compris ça. Il dit, déchargez-vous de tous vos soucis et fardeaux sur qui? Mon ami, si tu as faim, si tu ne comprends pas encore ce que je dis là, pour saisir ta pensée, quand tu as faim, tu veux du riz. Voici un voisin qui dit, voisin, j'ai un sac de 100 kilos pour toi. Quand tu viens, le sac de 100 kilos, c'est pas une bénédiction, non? Il n'y a pas un voix. Ou bien tu veux comprendre le sang de 100 kilos là, allez, non, c'est toi qui dois te charger de quoi? Du poids. Tu comprends? Chaque bénédiction, il y a un fardeau. C'est pourquoi, si tu veux combattre le bon combat de la foi pour conquérir ton année, alors tu dois regarder comment gérer les fardeaux de cette bénédiction-là. Donc, notre thème de ce jour, le combat de la foi pour conquérir ton année. L'année ne tombe pas comme des prunes ou bien des mangues mûres sur ta tête. Le combat de la foi, premièrement, est basé sur la parole vérité de Dieu. Si tu veux gagner le combat de la foi, tu vas voir à ce niveau-là
la parole de vérité. Et face à cette parole de vérité de Dieu, tu vas découvrir les réalités de l'ennemi. Ça, c'est au premier niveau. Premier pas pour que tu fasses le bon combat de la foi. D'abord, la foi vient de la parole. La parole vérité t'est donnée. Et face à cette parole vérité, Satan place devant toi les réalités du terrain. Et déjà là-bas, les gens sont vaincus. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas prière ici. Ta prière ne peut rien faire contre les réalités du terrain. Il faut que vous sachiez cela. Sinon, il y a longtemps, Satan serait parti. Depuis que Satan est Satan, aucune prière ne l'a fait partir. Aucune prière ne peut le faire partir. Aucun démon n'est mort à cause de la prière de quelqu'un. Celui qui pouvait tuer les démons s'appelle Jésus. Il ne les a pas tués. Celui qui pouvait tuer Satan, il s'appelle Jésus. Il n'a pas tué. Il a vécu avec Satan, les démons, en son temps, il a vaincu. Paul est venu, il a vécu avec Satan et les démons, en son temps, il a vaincu les parties. Pierre est venu, il a vécu avec Satan et les démons, en son temps, il est parti. Mais les chrétiens du 21e siècle veulent tuer les démons et Satan. Déjà, c'est une erreur. Vos prières ne peuvent pas tuer Satan. Tu dois vivre ta vie. Satan, les démons, quand tu as fini, tu dis j'ai vaincu. Malgré Satan, malgré les démons. Jésus t'a donné comment tu peux vivre au milieu de ça sans problème. Si tu veux gagner le combat de la foi, en cette année-là, deuxième chose que tu dois découvrir toi-même et savoir, c'est que le combat de la foi, c'est toujours un combat entre la vision et la vue. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est une vision. Mais Satan va venir avec les choses que tes yeux naturels voient. Ça veut dire quoi? Tu es malade. Dieu te donne la vision. Tu es guéri. Mais Satan te dit, regarde les douleurs. Regarde la radio. Regarde les résultats de l'examen. C'est ça. En ce moment-là, as-tu une vision que tu es en train de marcher? Tu es en train de sauter? Ou bien as-tu une vision de ton cercueil? De ton tombeau? Troisième élément qu'on va voir, le combat de la foi. C'est un combat qui est basé sur le courage. Et face à ce courage-là, l'ennemi amène ce qu'on appelle la peur toute l'année. N'oubliez pas ces trois éléments. Si vous voulez conquérir votre année, n'oubliez pas ces trois éléments. Un, vous appuyez sur la parole vérité, garder la vision. Trois, prendre courage en toutes circonstances, toute situation. Car face à ces trois qui sont liés à la foi, il y a un, face à la vérité, il y a la réalité de l'ennemi. Face à la vision, il y a ce que la vue que l'ennemi amène. Et face au courage, il y a la peur que l'ennemi amène. Donc, la vérité, la vision, le courage sont liés à Dieu. La réalité, la vue et la peur sont liés à Satan. Si tu m'écoutes ce matin et que chaque fois, dans chaque étape de ton combat, dans chaque circonstance, quand tu vas voir la peur, sache que Satan est en train de te vaincre. Qu'il est en train de faire quelque chose. C'est la peur là, c'est ça. Donc tout de suite là, il faut aller prendre l'élément que Dieu t'a donné, le courage, pour repousser la peur. Quand dans ta marche cette année, quand Satan va te présenter des choses que tu peux voir avec tes yeux, entendre avec tes oreilles, les choses que tu peux toucher toi-même. Quand il va te montrer, il te dit, sois raisonnable, regarde. Quand tu vois, les gens vont te dire, ah non, ne sois pas bête là, toi aussi, sois raisonnable, regarde. Sache que Satan est en train de te parler toute l'année, devant n'importe, c'est lui qui est en train de te parler. Quelle que soit la personne, que la personne soit un pasteur, que la personne soit psychologue, que la personne soit quoi, si
a ce langage-là, c'est Satan qui te parle. Autre chose, durant l'année, Satan va t'amener des réalités. Pour les hommes d'affaires, il va amener la réalité économique. Les journaux vont en parler. Les radios vont en parler. Dans tes associations, on va en parler. Dans tes syndicats, on va en parler. Regarde la réalité, la morosité économique. Regarde la corruption. Regarde la fraude. Regarde l'injustice. Quand tu entendras ça, quand tu verras ça, je te dis encore, c'est Satan qui est en train de vouloir gagner le combat contre toi. Écoutez-moi, frères et sœurs. Bon, je te pose la question. Si tu refuses ça là, tu vas aller, vous allez vous convoquer pour aller prier. Vous allez vous allez prier sur la base de qui et de quoi. Tu as déjà vu la prière enlever la peur? Plus tu as peur, plus tu pries, tu as quoi? Je vous donne les méthodes bibliques, mais vous allez écouter les méthodes de la chair des gens et c'est ça qui vous crée des problèmes. Regarde, Samson avait l'onction. Mais regardez, il avait l'onction. Comparez-le à Joseph qui est arrivé à la fin. Quand Dieu a montré la vision que Joseph va régner là, il a eu la réalité en pareil face à lui, oui ou non? Il a eu toutes sortes de réalités contre lui, oui ou non? Il n'a pas régné. Dieu dit à la maman de Samson, je vais te donner un enfant. C'est moi-même. Je vais te donner un enfant. Cet enfant, regarde son secret. Son secret est plus grand que celui de Joseph. Il dit, quand l'enfant va naître là, les cheveux qui sont sur sa tête, tant que les cheveux ne seront pas rasés, il est invincible. Pourtant, il a été vaincu. Est-ce que Joseph avait ça? On te dit, tant que tes cheveux sont là, on ne peut pas te vaincre. Est-ce qu'il a vaincu? Oui. Parfois, vous regardez les choses extérieures. Samson a fait ça. Samson a fait ça. Satan est venu. Il a fait quoi? Il lui a fait raser la tête. Il a perdu le combat de la foi. Joseph était un enfant qui était assis avec son mentor Jacob qui avait déjà fait des expériences. Le secret de Joseph, quand il est né, son père avait déjà fait toutes les expériences. Expérience négative, expérience positive. Son père était dans la victoire, oui ou non? C'est pourquoi il a pris le manteau là, il l'a mis sur Joseph. Est-ce que Samson a eu ça? Samson disait chaque fois, je vais vous tuer. Moi, je vais faire ça là. Je vais vous montrer. Tout le temps, c'est le jeu. Joseph, c'est pas ça. On dit, la grâce de Dieu est avec lui. La grâce l'accompagne. Le combat de la foi, mon frère, ma soeur, est très important. C'est différent de la démonstration de la foi. Démonstration de la foi, quelqu'un peut, avec une onction, faire une démonstration. Mais il perd ses propres combats chaque jour. Les combats de la foi, c'est ta vie quotidienne. Si tu perds le combat de la foi, malgré les démonstrations, tu deviens comme Samson. Mais Joseph a gagné tous ses combats de la foi. Il n'a pas fait de grandes choses comme Samson. Non, tu as déjà vu Joseph faire ça? Jamais. Mais qui a régné? Que cette année, le Seigneur te donne la révélation pour que tu gagnes tous tes combats de la foi au nom de Jésus.